l'Estadio Ciutat de Valencia pour cette nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble. En commentaire, c'est moi, Hervé Matou, présent. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Levante affronte le Real Madrid. Je suis très heureux d'être avec vous, bien sûr. J'espère qu'on va avoir un match plein de rebondissements. Non, non, il ne trouvera personne sur ce ballon, sinon le gardien. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il poursuit son action. Il préfère revenir dans l'axe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Asensio, Asensio qui marque. Allez, le ralenti avec cette première intervention. Mais la défense qui ne suit pas, qui est trop statique. Le Real Madrid qui prend donc les devants. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ah, il y a quelqu'un au premier poteau. Un mauvais dégagement là, attention. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Marcelo qui contre ce centre. Qui va bénéficier d'un coup franc. Eduardo Camavinga. Le Camavinga. Jesús Vallejo. Marcelo. C'est une perte de balle pour le Real. Ça presse haut, attention à ce ballon. Eder Militao. Eduardo Camavinga. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Et du monde pour reprendre ce centre. Ah, magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué une fraction de seconde. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Marcelo. Et l'attaque va s'arrêter là. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Les 30 derniers mètres. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Et le but, ils reviennent à la marque. Bien placé, la mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Jesús Vallejo, Marcelo, Marco Asensio. Ah, c'est une perte de balle. Ça, ça peut devenir dangereux. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, excellente ouverture là, de Luka Modric. Oh, le Real qui marque.
Voilà la contre-attaque qui a amené ce but. Et la frappe magnifique à la fin, puissante. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Passé. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Un corner adressé au niveau du point de penalty. Oh, l'arrêt incroyable! Superbe parade! Quelle présence! C'est allé à toute vitesse! Ah non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Ouais, l'arbitre qui a arrêté le match. C'est sans doute préférable pour aller s'occuper de cette blessure. Ce sera donc une balle à terre pour reprendre le jeu. Soldado. Morales. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Tentative de loin. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Oh, la faute, oui, pas correct ce tacle. Et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Centre, il y a du monde. Et l'arrêt du gardien. L'équipe qui était tout près d'encaisser un but de plus. Il semblerait que le public y voit un signe positif. Ils ont retrouvé de la voie. Oh non, le but! C'est bien but contre son camp, c'est clair sur ce ralenti. Le petit moment de solitude. Les équipes qui font jeu égal, le score qui est de 2 partout. Marco Asensio. Modric. Eduardo Camavinga. Eder Militao. Adversaire qui hérite de ce ballon. Roger Marti. Morales. Il prend sa chance. Pas de problème pour le gardien. Modric. Marcelo. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ça aurait pu basculer. Mais il reste vivant dans cette rencontre et regardez, les supporters y croient encore. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, la frappe lointaine, ouais, c'est pour le gardien. Ouais, Madrid qui obtient un coup franc. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons le championnat d'Espagne avec cette rencontre. Levante affrontera la Real Sociedad à l'extérieur. Et cette fois, l'équipe a officiellement gagné sa série. Elle a parfaitement mené tout cela.
Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. David Alaba. Oh, bien vu ça. Modric. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est... Et le but de Luka Modric. Le but de Luka Modric. On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée à la course. Après cette distance, j'ai bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Gonzalo Menero. Non, non, l'action n'ira pas plus loin. Il y a hors-jeu. Kamenic. Il avance balle au pied. Frappe. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Attention. Attention au poteau. C'est pas fini. Robert Pierre. Bon tacle. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Là, il fallait intervenir urgemment. Roger Marti. Gonzalo Menero. La bonne récupération de David Alaba. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Ouais, il peut centrer. C'est la fin des 45 premières minutes. Avec du monde pour reprendre ce centre. Ah, magnifique! Et c'est parti pour la seconde période. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Marco Asensio. Attention, il peut centrer là. Ah, c'est bien défendu. Morales. Ah, le ballon est perdu. La touche, très bonne intervention défensive. Modric. Ça c'est très bien défendu. Gonzalo Menero. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Je trouve qu'il fait un bon match, une bonne première période en tout cas.
Il fait un bon match, un match correct. Il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos. Cela dit, je pense qu'il en a un petit peu gardé sous le pied pour la seconde période. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Le bon ballon, le plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Gros coup de poker du Real. Trois changements de joueurs simultanés. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Jesús Vallejo. Ça joue vraiment très bas. Hein. On avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Interception sur cette passe de Marcelo. Vous voyez ce rendez-vous, ce qui nous attend tout à l'heure, ça fait envie. Ce sera un vrai bon match qui nous attend dans quelques minutes maintenant. Ah oui, le bon ballon là. Il risque de perdre le ballon là. Ah, il perd ce ballon. Hazard. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Morales. Voilà, c'est ça qu'ils doivent faire s'ils veulent pouvoir égaliser. Bien joué. Il n'y a pas grand monde pour contrarier le Real Madrid sur les ailes. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. On a atteint l'heure de jeu. Un ballon récupéré par l'adversaire. Eden Hazard. Oh, l'occasion! Le dégagement pour éloigner le danger. Marcelo, c'est parti dans la surface. Le centre capté sans aucun problème. Bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Oh, très bien défendu. Non, le ballon est perdu. Attention, il peut aller au bout maintenant. Oh non, c'est raté, mais pourquoi? Pourquoi jouer si vite? C'est un manque de sang-froid. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Eden Hazard. Il a tout le côté de libre, Eden Hazard. Oh, le but peut-être. Le défenseur qui contre ce ballon. Et le but du Real Madrid. Ah, c'est magnifiquement joué. On voit le ralenti là. Il fallait mettre ce ballon au ras du sol, tout en précision. Il met la présente 4 buts à 2, vraiment loin du spectacle. Oh, bien défendu. L'excellente ouverture là, de Luka Modric. Le gardien qui repousse, attention. Et il dégage. La passe est interceptée. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes.
Oh, il a enlevé le défenseur. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Roger Marti. Il faut qu'il centre maintenant. Ah, le ballon est perdu. Marcelo, le tir, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Il repique au centre. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et but ! Eden Hazard qui marque. La défense qui n'a pas réussi à le contrer sur cette action. On voit le but. Avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Et ensuite, c'est le talent qui fait le reste. A noter quand même son excellent placement. Le score qui est donc de 5 à 2 maintenant. Ça fait quand même une avance bien confortable. Il avance encore. Il faut trouver une option disponible. Et là, temps d'ouverture. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Allez, dans la surface, le corner de Modric. Ah, mauvais dégagement là, attention! L'arbitre qui siffle pour finalement revenir à la faute. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Mais le jeu à deux. Ballon bien négocié par le gardien. Il a fait l'effort là-dessus, loin du but adverse. Le ballon est perdu. Vukcevic. Attention, ça peut devenir intéressant. Roger Marti. Courtois, attention, il l'a repoussé, c'est pas fini. Marcelo. Modric. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Roger Marti. Là, il fallait intervenir urgemment. Et ce ballon est intercepté. Marcelo. Oh, le but! C'est Marcelo! C'est Marcelo qui marque! Ah, il a su trouver la faille dans la défense adverse, bravo! On voit ces images, ce bel exploit solitaire face à une défense un petit peu aux abois. C'est magnifique. 6-2, le score qui est quand même très très lourd. Cherchant une solution. Oh, le but! Magnifique! La ralentie de cette action, parfaitement conclue. Le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster. Oh, le festival qui continue. Hein. C'est complètement fou. Et il gagne quelques mètres. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Eden Hazard. Marcelo. Il faut trouver l'ouverture.
Ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Eden Hazard dans le duel. Robert Pierre. Roger Marti. La défense qui concède un corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. L'arbitre qui siffle à l'instant même. La fin de ce match. Les 30 derniers mètres.